Bonjour. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Athée ou paresseux ?» Un homme vint un jour voir un pasteur et lui dit « Je suis athée. Peux-tu m'éveiller à la question de Dieu ?» L'autre lui répondit « As-tu déjà étudié l'Évangile ? Les Écritures ? Ah non, je suis athée. As-tu appelé Dieu tous les matins pour éclairer ta route ? Ah non, je suis athée. As-tu déjà cherché une communauté, une église, pour rencontrer des frères et sœurs, pour partager ta quête ? Ah non, je suis athée. Tu n'es pas un athée, tu es un paresseux et un ignorant. » Écoute ce que dit la parole de Dieu dans Ésaïe 55, versets 1 à 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez ! Et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com.